Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, c'est fini pour Dramane Ouattara. Quand je vous dis c'est fini, c'est fini. Après les révélations fracassantes de Robert Bourgi, c'est Thierry Mariani, bras droit de Nicolas Sarkozy, qui vient attaquer Dramane Ouattara. Frère, c'est inimaginable. Qui vient dénoncer la dictature de Dramane Ouattara et qui lui demande de quitter le plancher. Camarade, peu d'affaires, écoutez la vidéo. Moi-même, je ne comprends plus rien, j'ai mal à la tête. Le 31 octobre, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Un scrutin qui risque de se dérouler sous les pires auspices, tant la situation politique y est inflammable. Rappelant beaucoup les circonstances d'il y a une dizaine d'années qui avaient coûté la vie à 3000 personnes. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, semble lointaine pour bien des Européens. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle est lointaine aussi pour ceux qui s'époumonnent habituellement pour surveiller les élections et défendre les droits de l'homme. Il y a beaucoup à dire au sujet du président Ouattara, qui a amplement modifié sa constitution afin d'être actif. Cette attitude avait déjà choqué de très nombreux Ivoiriens. Mais cela ne s'arrête pas là. Le pouvoir central d'Abidjan multiplie les manœuvres judiciaires, instrumentalisant souvent le droit international pour ses intérêts partisans, afin d'interdire à Laurent Gbagbo, à Guillaume Soro et à ses principaux opposants de défendre leur candidature. Alors donc, pourquoi Ouattara bénéficie-t-il d'une telle indulgence de la communauté internationale? D'abord parce qu'il fait partie du cénacle de ces élites mondialistes, économistes du FMI, ancien gouverneur de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. C'est le candidat idéal du mondialisme en Côte d'Ivoire. Il bénéficie donc d'une très grande amitié des institutions supranationales qui préfèrent fermer les yeux sur ses agissements. Par ailleurs, M. Ouattara traite les frontières de la Côte d'Ivoire comme la gauche européenne le souhaite. Il ferme les yeux, voire encourage l'émigration étrangère dans son pays. Il est grand temps que l'Union européenne prenne la parole, car si ces élections le 31 octobre prochain sont tronquées, les institutions internationales et notre Parlement européen perdra tout crédit, pas uniquement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest. L'Union européenne paraîtra donner l'image d'actions injustes et partisanes, remplaçant les liens historiques qui unissent nos pays à certains des pays africains par des pures opérations de domination économico-financière au bénéfice de cette superclasse internationale qui est parfaitement représentée aujourd'hui par le président actuel de la Côte d'Ivoire qui visiblement, par tous les moyens, quitte à violer la Constitution, a décidé de se maintenir. Pour partager le grand gâteau nigérian disposant de gigantesques réserves de pétrole et d'hydrocarbures en général, principalement situées en mer, et qui nécessite d'être sécurisé avant d'envoyer les entreprises françaises les exploiter, car cette zone est l'une des plus fréquentées au monde par des pirates. Les ambitions de la France en Afrique ne manquent donc pas, tout comme elles ne manquaient pas hier. Et les accords de défense d'hier étaient le prolongement de la France dans ses anciennes colonies par le biais d'une présence militaire de Paris sur place, disposant en échange d'une protection du régiment politique, de la formation des cadres militaires et de la fourniture des armes, d'un monopole à l'accès aux ressources naturelles. La présence militaire française en Afrique a perduré au-delà de la colonisation du fait de ces accords. La France est intervenue 60 fois dans 24 pays en 60 ans. Pour le plus grand bien des potentats africains et pour la préservation des ressources naturelles jugées indispensables à l'économie française. C'est ça, la France-Afrique. Et tout cela perdure malgré les vœux hypocrites de chaque président de la République française d'en finir avec les liens opaques qui unissent la France et les dirigeants de ses anciennes colonies. Et si d'aventure un pouvoir africain montre ne serait-ce que quelques velléités d'indépendance, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire à l'issue des élections de l'an 2000, l'assurance vie de la présence militaire française se transforme en facteur de déstabilisation et d'affaiblissement pour ce pouvoir. À ce sujet, permettez-moi de vous interroger sur le rôle exact de la France dans le bombardement de Bouaké en 2004 et des événements qui s'en sont suivis, Madame la Ministre. Je note à ce sujet que dans la procédure concernant le bombardement, la juge d'instruction Sabine Kéris demande le renvoi des ministres de l'époque, Dominique de Villepinte, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier devant la Cour de justice de la République. Avons-nous affaire à une barbouzerie qui a mal tourné et qui cette fois-ci mêlerait le sang de nos soldats avec celui des citoyens ivoiriens? Comptez-vous ouvrir les archives pour qu'enfin éclate la vérité dans cette affaire? Toutes ces méthodes sont d'ailleurs les racines de l'image déplorable de la France sur le continent africain et la raison de notre manque de crédibilité en Afrique. Avec le passé, qui est le nôtre, c'est le principe de non-ingérence qui devrait être la ligne de conduite pour notre pays, qui parmi d'autres
a commis les pires crimes et les pires horreurs sur le continent africain. Il lui a pillé ses habitants, ses ressources, son argent. Et cela continue depuis des décennies. Il faut que cela cesse. Ce n'est pas le chemin que prend la présidence de Macron. L'habitude coloniale de la France est encore largement préservée dans certains pays d'Afrique, comme nous avons pu le voir encore en 2019 au Tchad, à Djibouti ou en Côte d'Ivoire, pour ne donner que trois exemples. On a pu remarquer en effet de très fortes rémanences de ces principes france-africains au Tchad, où l'armée française a bombardé en février dernier une colonne de véhicules appartenant à des opposants au dictateur tchadien Idriss Déby. Ce chef d'État zélé est protégé contre toute logique par la France, qui le remercie en lui permettant de rester à son poste sans être dénoncé alors qu'il y était depuis 1990. Un pays comme le nôtre peut-il se permettre de protéger un homme qui dirige un État comme s'il était sa propriété et qui n'hésite pas à supprimer ses opposants, à pratiquer la torture, à pratiquer les enlèvements? Nous sommes toujours dans l'attente de précisions sur ce dossier. Peut-être est-ce inavouable. Nous continuerons à demander des comptes. Mais le Tchad n'est pas le seul pays à être encore sous protection française. Comme le dit son chef d'État, Ismaël Omar Guelleh, malgré les changements dans la région, rien ne bouge à Djibouti. Lorsqu'il s'agit de faire des petits gestes pour Djibouti, l'État français ne se prive pas. Récemment, Mohamed Kadhami, un opposant djiboutien disposant du statut de réfugié politique en France, a été mis en examen et risque d'être renvoyé à Djibouti au mépris du droit français pour satisfaire le régime djiboutien, voire même pour l'échanger avec un prisonnier djiboutien qui aurait un rôle dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Et prenons un troisième exemple de la protection de la France envers ses fidèles, la Côte d'Ivoire. Après avoir acté que l'on ne peut qualifier le coup d'État d'Alassane Ouattara en 2011, la France a permis au nouveau chef d'État d'envoyer Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Après 7 ans de procédure, pendant lesquelles Laurent Gbagbo était en détention provisoire, en contradiction totale avec les recommandations en la matière de la Cour européenne des droits de l'homme, celui-ci est maintenu en liberté conditionnelle sans pouvoir retourner en Côte d'Ivoire après son procès où il a été acquitté, ce qui est en contradiction totale avec tous les principes de droit. Il semble que les pressions ivoiriennes et surtout françaises aient permis que le principal opposant de Ouattara ait encore des bâtons dans les roues pour l'empêcher de revenir dans son pays à la veille des élections présidentielles de 2020. L'ingérence française dans les affaires internes des pays comme Djibouti, le Tchad ou bien la Côte d'Ivoire est insupportable et n'est pas digne de notre pays. Les accords de défense bilatéraux, s'ils ont changé dans la forme depuis les années 70, permettent donc à la France de maintenir une présence dans ses anciennes colonies, ce qui pose de graves problèmes de probité à l'usage de nos forces armées. Personne ne s'est grandi dans cette récente histoire et la France ferait mieux de travailler autrement en Afrique que d'utiliser son armée pour garantir une stabilité des dictateurs propice uniquement pour les affaires et destructrice pour les peuples. Et ce qui se voit lorsqu'il s'agit de la France-Afrique, c'est que la France pratique un système de deux poids, deux mesures qui n'est pas tenable sur le long terme. Par exemple, en ce qui concerne le massacre de Doueke, en Côte d'Ivoire, dont des commémorations ont lieu hier, de plusieurs milliers de personnes par les partisans de l'actuel président Alassane Ouattara, l'armée française n'est pas intervenue. Par contre, lorsqu'il s'agit d'Idriss Déby, et lorsqu'il demande à la France d'attaquer ses opposants, nous fonçons les bombarder, tandis que lorsqu'au Mali, une attaque fait près de 160 morts dans un village, la France ne bouge pas. Pourtant, nous avons signé un accord de coopération en matière de défense entre la France et le Mali, qui a été ratifié en 2015. Que ferait la France? Pourquoi a-t-elle été si rapide à attaquer les opposants tchadiens? Pourquoi elle ne réagit pas lorsqu'il s'agit de massacres de Maliens ou d'Ivoiriens? Pourquoi la France s'entête dans une stratégie au Mali qui est en échec? Je pense que le gouvernement se ferait fort de nous éclairer sur cette situation et de revenir sur ce qu'a récemment dit la ministre des Armées, Florence Parly. Je la cite. « Serons-nous amenés à intervenir chaque fois qu'on nous le demande ?»« Non, » répond-elle. « La décision relève in fine de l'appréciation du président de la République. » En l'espèce, il n'était pas souhaitable qu'un pays fortement contributeur à la lutte contre le terrorisme et présent sur d'autres fronts soit déstabilisé avec une conséquence ultime, une augmentation de nos engagements en OPEX. C'est dit. Quand est venu 1 janvier 2013, de janvier 2013 à nos jours, voyez un peu ce qui a été fait, quel acquis le pays a eu par la présence de la force Barkhane. Si le problème ne s'est pas empiré,
je pense qu'on n'a pas eu de solution militairement. Aujourd'hui, je dirais que le terrorisme a gangréné pratiquement tout le territoire malien. C'est vrai, ça peut vous poser des inquiétudes, mais le Mali n'est pas seul et le Mali ne restera pas seul. La France peut partir, les pays européens peuvent partir, mais je n'anticipe pas. Donnons le temps au temps et vous verrez ce qui va se passer. Le colonel Souleymane Dembélé s'interroge. Quel acquis le pays a eu par la présence de la force Barkhane? Si le problème ne s'est pas empiré, je ne pense pas qu'on a eu de solution militairement. Après quoi il y a eu, par la jonction des coalitions en Accra et Takuba, où toutes les forces européennes sont chez nous. Mais ça nous a donné quoi de nos jours? Il poursuit, se voulant rassurant. C'est vrai que ça peut vous poser des inquiétudes, mais le Mali n'est pas seul et le Mali ne restera pas seul. La France peut partir, les pays européens peuvent partir, mais je n'anticipe pas. Donnons du temps au temps et vous verrez ce qui va se passer. La team, c'est chaud. Vous venez vous-même d'écouter les deux vidéos que je vous ai montrées d'un député européen. Et le premier était un ancien ministre de M. Nicolas Sarkozy, qui vient de dénoncer l'attitude de M. Alassane Dramane Ouattara, car son attitude aujourd'hui est une attitude dont personne ne pouvait s'imaginer qu'elle devait arriver. La deuxième vidéo date, hein, j'ai envie de vous dire date, c'est la vidéo de Jean-Paul Lecoq, qui a donné un message pour tous les suiveurs d'Alassane Ouattara, pour la France-Afrique. Et il n'est pas un Africain, il faut le dire, c'est tout simplement un député français à l'Assemblée nationale française qui a décidé de parler franc, de ne pas contourner, de ne faire aucun détour sur le problème de la France-Afrique. Vous l'avez écouté. J'ai envie de vous dire que Nicolas Sarkozy a laissé tomber M. Alassane Ouattara. Après, Nicolas Sarkozy n'a pas trop le choix. Il n'est plus président. Il n'a plus le pouvoir qu'il avait en 2010. Et c'est Macron qui est là aujourd'hui. Nous savons clairement qu'ils ont déjà choisi un camp. On ne demande pas à Alassane Ouattara de partir pour laisser la place à Gbagbo ou à Soro. Détrompez-vous. Il demande à ce monsieur de partir pour laisser la place à Thiam. Il faut que le RHDP apporte son soutien aujourd'hui à Thiam, car le candidat a été tout trouvé. C'est pourquoi vous voyez que le combat de Thiam est différent du nôtre. En fait, Thiam est tranquille. Il est en paix dans sa démarche. Il ne discute avec personne. Mais seulement sur son chemin dans le PDC, il a trouvé Jean-Luc Billon. Et j'entends les gens qui parlent. J'ai envie de vous dire, Jean-Luc Billon, même quand le président Bédié était vivant, il avait déjà dit ses envies et ses intentions d'être le candidat en 2025 du PDC-RDA. Il n'avait pas caché devant le président Ari Konan Bédié. Ce n'est donc pas devant Tidjane Thiam qu'il va reculer. Faites très attention. Il sait sur quoi il est positionné. Mais les Français et l'Occident a déjà trouvé le candidat de la Côte d'Ivoire. C'est Tidjane Thiam. Et c'est pourquoi Tidjane Thiam met de côté le président Gbagbo, met de côté Soro Guillaume, il met de côté tout le monde. Il se concentre simplement sur un seul candidat. C'est Alassane Dramane Ouattara. Pas parce qu'il veut remplacer Alassane Ouattara, parce qu'il veut la passe. Tidjane Thiam nous a même dit que ceux qui disent qu'il ne sera pas candidat, qu'il ne sera pas président, seront déçus parce qu'il le sera. Il compte réellement sur quoi? Parce qu'en termes d'opposants, il ne dénonce pas les tares d'Alassane Ouattara. Au contraire, en termes d'opposants, nous sommes surpris qu'il nous dise qu'il a une même vision de la paix avec Alassane Dramane Ouattara. Donc, en réalité, il nous a dit qu'il n'est pas différent d'Alassane Dramane Ouattara. Regardez ses attaques. Pourtant, nous entrons clairement dans une période phare d'élection. Il a été le 25 octobre 2024. Et le 25 octobre 2025 aura lieu l'élection en Côte d'Ivoire. La team, que fait Tidjane Thiam à l'heure actuelle? Quand nous voyons les autres opposants qui dénoncent clairement de manière vigoureuse la démarche et le comportement dictatorial du gouvernement Alassane Ouattara, au PDC-RDA, on a l'impression que c'est une alliance qui est en train de se créer avec le RHDP. La team, vous venez de voir deux vidéos. Dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.